Nous avons bien sûr un concept de tourisme mémoriel que nous développons depuis tantôt. Et pas de manière égoïste, puisque précisément nous disons qu'il faut développer un tourisme mémoriel multi-destination. Nous avons donc à valoriser cela, à montrer cela et à inviter aussi les Caribéens à venir voir une exposition qui va s'ouvrir bientôt au Mémorial Acte, le modèle noir, à partir du 14 septembre. Cette exposition va retracer l'histoire des Noirs depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début de la période moderne en France. On retrouve justement toute cette littérature, cette écriture plastique, esthétique, photographique de Picasso, Mandrey, sur ce qu'ils ont appelé justement l'art nègre. Aujourd'hui, il s'agit de les renommer, il s'agit de les sortir de l'oubli et de faire la lumière en fait sur ces Noirs oubliés de l'histoire de France. Cette exposition sera vraiment un outil fort pour justement entrer dans cette histoire et mieux comprendre notre situation aujourd'hui dans la question justement des identités et de la décolonisation des imaginaires. Donc nous vous invitons à venir voir cette exposition et à passer au-delà du cadre.